Eh bien bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Mario Power Tennis, sur les jeux spéciaux. Et je vais vous montrer un truc, voilà, donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et juste... Voilà, c'était juste enfin, un petit ouvert peur, mais bon, je pense que personne d'entre vous a eu peur. Ce matin, j'ai débloqué déjà, alors j'ai réussi plein d'autres tournois en simple. Donc j'ai réussi aussi la coupe étoile, la coupe arc-en-ciel, la coupe feu, la coupe tonnerre. Non, la coupe feu, j'avais déjà fait avant, semble. Et j'ai débloqué Ilico Mascas, Wiggler. J'ai débloqué Mario en personnage étoile. Voilà, je vais montrer un truc. Voilà. J'ai aussi débloqué ça, le château de Bowser. Et aussi pareil, là. Je fais une vidéo à lui. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, juste avant de tourner cette vidéo, là, j'ai fait il y a à peine une minute, j'ai réussi Panique. Voilà. Alors on va en profiter pour mettre un personnage étoile en plus de titre complet. On va essayer de faire Mecha Bowser en furie. Parce que hier il restait un que ça de vie à Mecha Bowser. Et donc là je vais retenter. Mais cette fois-ci avec un perso étoile. Donc ça va être peut-être que ça va être plus facile. Allez. Allez, chouchou. Donc pour l'instant, là, je suis très bien parti. Encore un autre défi réussi. Pendant ces vacances, j'aurais fait je sais pas combien de vidéos et on aura réussi je sais pas combien de défis. Alors, oula, un autre défi réussi. Super. Alors maintenant, il ne reste plus que le défi des chompes. Et ballon de danger, super.
va retenter pour l'éliminer. Encore une fois de plus. Mais je sais que je suis dernier. Hein. C'est normal, j'ai pas de mal. Ok, chute. Je suis tout au bout. Voilà, je suis en partie là. Il me reste encore du temps, mais... Ouais. Wow, il m'a même pas touché là. Je suis déjà à 32 points. Mais comment ça se fait là? Ouais, j'ai pas le temps là. Même pas le temps de revenir quoi. Mais non, mais... Oh, qui veut, là? Je suis toujours dernier, malgré tout ça, là. Mais... Arrêtez d'envoyer sur moi! Et malgré le perso étoile, n'a rien changé. Mais, ouais! Moi, tu veux, aussi, là. Moi, tu veux, là, ça sert à rien. Mais non! Mais non, mais wesh. Mes ordi, ils n'arrêtent pas d'envoyer sur moi. Je suis dernier toujours là. Si je vous fais petit creux, vous allez voir, je vais gagner. Oh bah tiens, si je vous fais celui-là, vous allez vite voir que je vais gagner. Je vais gagner, vous allez voir. Regardez, je suis qu'à 48, mais ça, je gagne. En plus, le truc, à chaque défi, c'est le même temps. C'est pas comme pour un masseur de pièces, où c'est à chaque fois le temps change. Parce que 10 000 pièces en 1 minute, c'est impossible. Mais ouais. Mais wesh, arrêtez là! Qu'est-ce que je vous ai fait moi? Je vous ai rien fait. J'ai envoyé des bombes à personne. J'ai envoyé qu'à moi. J'en ai envoyé sur le côté de Peach.
mais c'était pour que je me sauve. J'ai fait les meilleurs points à la fin. Il n'y a même pas de dernier. Oh, le pauvre Hitler. Je suis là aussi, je vous le fais. Petite creux, grosse fin, je vous le réussis. Mais vous l'éliminez. C'est vraiment voilà. Oh bah d'accord. D'accord. On va essayer de tomber sur un lanceur de pièces. Oh non. Oui. Ah si. Là j'ai fait un nouveau record hein, sur. J'ai fait un nouveau record de, sur le défi du Mega Boops. J'ai fait 108. Voilà. Et bon, je vais essayer de battre un nouveau record en vidéo avec un personnage étoile bien sûr. Que ce soit plus facile. Défi du Mega Boops. Maintenant j'ai pris l'habitude. Maintenant j'ai pris l'habitude à ces filles, je vous fais les 100 sans aucun problème. Hein. Je vous réussir le défi. Le Bloops tyrannique, je vous le finis hein, à chaque fois. Tu me demandes de réussir un défi pour toi. Bon, c'est vrai que les métiers, c'est pas évident. Hein. Ça faut esquiver les boules comme il y en a beaucoup voilà. Mais là c'est juste une histoire d'échange quoi, c'est facile quoi, je peux t'en faire des milliers facilement hein. Je suis sûre que si j'étais concentrée je pourrais en faire 300 des trucs comme ça, même plus si j'étais concentrée, même avec 3 d'albarées je pourrais vous en faire plein. Vous me demandez dans les commentaires de faire un objectif. Si je suis concentrée, je l'arrive. Hein. D'ailleurs, demandez-moi dans les commentaires sur le. Dites-moi dans les commentaires déjà. Donc là, ça avait juste les défis spéciaux des jeux spéciaux. Donc par exemple pour le défi du Mega Boops. Dans le défi du Mega Bloops, dites-moi dans les commentaires si par exemple Josh essaye de faire je sais pas 200 passes avec le Mega Bloops. Ou alors essaye de récolter 15 000 pièces dans le défi des pièces. Voilà. Ce serait sympa. Et on continue. Là je parle pas beaucoup mais c'est la concentration pour essayer de faire un max de trucs, faire un max de passes.
je suis à 130 les gars. Je peux en faire encore plein. Je suis sûr. Si je suis concentré, je suis sûr que je peux faire les 200. Glisser, du coup j'ai cru que j'allais rater mes noms. Ok, je vais arriver à faire les 200, je crois. Oui, les 200. Oui, les 200. Ah oui, incroyable. Là, je suis chaud. Je suis sûr que je peux en faire 1000. Mais en fait, les gens maintenant, en fait, oui, je sais, mais pas encore.
Maintenant, en fait, à chaque fois, il y a une case avec une seule couleur une fois sur deux, maintenant, une fois sur deux, il y a une case de couleur aléatoire. Voilà. La 228. Attendez, je reviens tout de suite. Voilà, alors vous allez me demander pourquoi j'ai un truc blanc autour de moi, c'est parce qu'en fait j'ai les lèvres qui me font mal, en fait ici. Et du coup je mets de la bépanthène pour que ça soigne en fait. Voilà. Donc voilà, je sais que j'ai une tête bizarre comme ça, surtout à la caméra, et surtout ça va te faire bizarre à la vidéo, quand je vais poster la vidéo, mais bon. Voilà, c'est vraiment pour soigner les lèvres, hein, j'espère que vous comprendrez. Voilà, donc on est à 239. Oh non, oh non. J'aurais dû mieux appliquer ma passe. Bon, au moins j'ai fait beaucoup plus. Mais je sais que j'aurais pu faire encore mieux. Nouveau record. Voilà, c'est super. On a réussi un défi, on a fait 251. Et là, je fais 50. Allez, essayons de tenter un petit défi, les pièces. Alors, moi, ce que je vise, moi, ce serait les 15 000 pièces. Pour l'instant. Attends, toutes les positions, mais pas derrière. Mais je suis tout le temps dernier dans le défi des pièces. Ah bah en plus, déjà j'arrive même pas à voir la balle. J'ai récolté 0 pièces. Hein. Quoi? Tu sais, si je fais pas de vidéo avec sur une chaîne à moi, c'est pas grave parce que je suis déjà sur YouTube. Oui, mais quand même, c'est avec Camille. Avec Camille. C'est quoi ta chaîne? En plus, je sais pas. Je t'ai déjà dit que je savais pas. T'aurais pu me demander. Mais ils l'ont déjà dit plusieurs fois et je fais ce que je veux. D'accord. Oui, mais comme ça, je pourrais la suivre. Non, moi je t'aurais pas dit de toute façon. Donc là, les gens, je parle pas beaucoup, mais c'est la concentration. Hein. Je vous le répète à chaque fois. Voilà.
là, je vais m'abonner à ta chaîne et je peux te dire un commentaire. Et tu vas voir. D'accord. Okay. Et après, je vais dire mon nom. Non, arrête. Si. Mais tu sais que t'as pas besoin de t'abonner pour laisser un commentaire. Je vais le faire devant toi. Et tu lis pas le commentaire, tu le liras pas comme tu le verras. Oui, mais faut que tu le postes sur la vie, sur une de mes vidéos. Et je veux voir c'est laquelle, comme ça je le sais. C'est sur toutes tes vidéos, comme ça tu le sauras. Ouais. D'accord ? Oui. Toutes tes vidéos. De toute façon, je vais le dire. Oh non, 8400. Bon, c'est pas grave. Mais pourquoi tu vas faire une gueule? Ah non. D'accord. Va en bas pour voir s'il y a la connexion. Là. Ok, attendez, Jean. Parce que je sais que l'iPad a pas beaucoup de batterie, donc prendre moins de risques, je vais la brancher. Attendez, je reviens. Voilà, j'en ai rajouté encore, je sais. Au moins, j'espère que ça vous fera rien. Parce que même moi, ça me fait rire quand je regarde. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Si, attends. Quoi? C'est toi qui te l'as mis la clé. Oui. Il faut pas que tu la mettes toi-même. Mais si, je me la mets moi-même. Mais tu la mets mal. Ouais, c'est pas grave. Et en plus, pour la vidéo, c'est... C'est pas grave, ça va faire rire. Alors, enfin, c'est laquelle, ma tête, pour mettre un commentaire. Alors, commentaire... Attends, j'ai oublié. C'est laquelle, ma tête, pour un commentaire. C'est mon set. Thank you.
sorti la poule, mais en double. Maintenant, un set. Dernier set service, Mario. T-E-S. Tout collé, bien sûr. Sinon, j'aurais dit apostrophe et espace quoi. Mets-toi devant, sinon je prends ta place quoi, si tu peux pas. Bien fait. Oui, bien Luigi. Quand même, elle n'était pas puissante. Bien, c'est bien, je dis. Luigi va devant. Le jeu Mario, Luigi, changement de côté. Luigi est le seul ordi, et le seul personnage dans ce moment qui ne sera pas en équipe. Parce que moi, j'ai pris un personnage. En même temps, j'aurais pu jouer Luigi et mettre un tien. Parce que mettre Mario, notre étoile, on a déjà dit. Mais c'est pas grave. Quoi? Ok, donc essaye de retenter. Inks. Inks. J'adore vous enseigner. Ok, demi-finale. Contre. Erreur. Notre procès. Service Mario. Oui bah attends laisse dis-le moi ici parce que là je suis en train de jouer. Oh là là. Hey.
fort cette fois. Oh non! Le disque au-dessus. Ah oui, en hauteur de l'immense, c'est magnifique ça. Wow, je crois que c'était un 7. Oh oui, c'est magnifique. Oui. Balle de 7. Oh. Service Mario. Deuxième 7. Service Mario. Wow, oui. Je suis allé, c'est pas, il faut aller. Oh oui, 30-0. Balle de jeu. L'aspirateur super puissant. What was it? Je Mario Luigi. Changement de côté. 0-15.
0,40 balles de match. Jeu 7 et match, Mario, Luigi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous plaît. Hein. Vous voulez plus regarder votre version? Oui. Puis une finale. Ok, on va être contre Mascas et Boo. Qui a parlé de moi? Mais c'est toi, t'es l'équipe de Mascas. Premier set, service Mario. Premier score. Allez, là, on gagne. Je suis pas fort. Ils nous battront jamais. Ouais, Luigi, t'aurais pu faire un effort quand même. T'aurais pu utiliser ton attaque. Oula, il a failli se faire un smash. Enfin, il a fait un smash, mais il était pas gagné. Et oui, on oui, on oui. Mais Luigi, t'es sérieux là? Cette coupe est à nous. Oh Luigi. Mais Mario. Mais non! Non, il a comment il a anticipé? Cette coupe est à nous. Arrêtez de me lober! Je sens. Mais arrêtez de me lober! Là, il s'est lié. Mais comment? Mais non! En plus, on était tellement bien partis, quoi, au début. Pas mal le 7 quoi. Mais comment il a fait quoi? Comment on a fait quoi?
attends, t'es ballon. J'ai super panique. La super panique. Bon, tu verras mon commentaire. D'accord. Parce que là, il est mis. Sur toutes les vidéos. Oui, toutes les vidéos. À moi, d'ailleurs, je vais vous montrer tous les effets spéciaux d'Hélico Vascas. Allez voir. On va le mettre contre un outil, on va faire ça. Vous allez voir les effets que Vascas va faire. Regardez-moi ça. Dernier set, service et Hélico Vascas. Regardez, quand il fait un coupé fort, il fait des effets de malade. Ouais, je crois que tu devrais prendre lui pour aller tourner moi. Oh oui, en plus, c'était joli quoi. Hélico Vascas. Le jeu Hélico Vascas. Allez, on va traiter ça pour le moment. Comme ça, pour le moment. Plutôt avec une caméra dynamique. Ces effets. Et encore, vous n'avez pas vu son attaque défensive. Hein. Parce que là, c'était que son offensive. Rien qu'un coupé ou un lift fort, déjà, ça fait des effets. Là, c'est que son offensive encore là. Trop tard. Voilà. À faire son offensive. Mais il voulait pas j'appuie sur... Ouais. Oh. Oui.
Mascas. Je veux Helico Mascas. J'aimerais bien montrer son attaque défensive. Mais il ne fait que l'offensive. Alors aujourd'hui, c'est... Ouais. Bah, je crois qu'on va aller jusqu'au jeu décisif, les gars. Ouais. Il ne veut pas faire son attaque défensive. Après, il vient juste d'arriver. Ouais. Et bien, nous avons... Ah voilà, son attaque défensive. En fait, il fait une tornade aussi. Sauf qu'en fait, cette fois-ci, il tombe à l'endroit. Et en fait, il envoie la tornade vers la balle pour qu'il vienne vers lui et ensuite il attaque. Ouais. Et à la fin, on fera une fois le défi du Mega Boost. Pour voir si j'arrive à battre 251. Même si c'était chaud de le faire. Oh non, je décide. Quatre.
Je sais pas ce qui m'arrive. 5. Jeu 7 et match. Et Nico Pascas. Je vais retenter de faire un nouveau record sur le défi du méga loops. Donc 251 à battre. Ça va être très très dur. Mais bon, je sens que je vais le faire. En plus, j'ai un perso étoile, donc voilà, c'est plus facile. Enfin, je dis ça, mais le record 251, je l'ai fait aussi avec Mario et toi. Bon, les 40 premiers, c'est facile. Parce qu'il n'y a qu'une dalle par arrêt. Là, c'est le moment où tu arrives à 40. Là, il y a deux dalles barrées. Donc, ça commence à être compliqué. Mais dès que tu arrives à 90, trois dalles barrées, il n'y a plus qu'une dalle. Donc, tu dois vraiment être bien attentif pour savoir quelle dalle est libre et pour faire de meilleurs scores et surtout si c'est pour réussir le défi du Blue Cyrani, quoi. Parce que genre si t'arrives à 99 et que tu rates le Blue Cyrani, genre je suis sûr que le mec qui est devant sur l'écran, il ragerait mais un truc de dingue, quoi. Moi j'aurais fait la même chose, hein. J'aurais ragé, mais dedans, quoi. Ok, là il y a des dalles, donc là faut faire attention. Et le dalle n'a même pas été réussi, donc là c'est vraiment fou. Il y a la dalle de couleur et que c'est vert. Donc, je suis resté sur place. Je suis déjà à 70. C'est chaud. J'ai eu très chaud. De battre 251, ce n'est pas évident. Surtout que là, ça a été extrêmement long déjà d'arriver à 100. Ça a été long d'arriver à
intéressant, en plus de faire 151 de plus que l'objectif de vous cerner, c'est-à-dire quelques 100. Non! Oh non, c'est vrai! Oh non! Oh, quel idiot, j'ai pas fait attention au score. Quel idiot, j'ai pas fait attention au score. Quel idiot! J'ai pas fait attention au score. On va retenter, c'est pas grave. J'ai pas fait attention au score du tout! Attendez, je reviens. Ok. Alors... D'accord. On va essayer, c'est pas grave. En fait, au début, c'est facile, t'as qu'à... En fait, t'as qu'à faire des lifts ou des poupées puissants et en fait du côté inverse. Je crois pas que je devrais faire des poupées parce que c'est des effets. Même le lift, parce qu'en fait, comme il est complet, il y a un peu de problème avec le lift. À partir de 41, qu'il faut faire attention au score. Parce que si tu arrives à 90 sans faire attention au score, forcément, je vais te couper. Pareil pour 40. Hein. Si tu arrives à 40 sans faire attention au score, forcément, je vais te couper. Donc, je laisse la 50. Ouais, je sais, tu vas devoir acheter la raquette. Je sais que ça coûte cher, mais ça le mec est en train de parler à Mega Boost, quoi. Je lui dis, ouais, je sais, je te fais perdre tes raquettes, tu vas devoir en racheter. Je sais que c'est souvent, mais bon, c'est un défi, hein, c'est comme ça. Le mec il parle à Mega Boost quoi. Il parle au mec qui est en train de faire le défi avec Mario quoi. Le mec est complètement bizarre. Fait que quand je dis le mec en fait c'est moi. C'est juste parce que c'est bizarre ce que je fais en fait. C'est 70. Mais en fait, il est impossible que dans le défi Megabus rate une balle, c'est impossible. Déjà, c'est quasiment impossible. Déjà, de base, quand tu fais un match avec lui, ce serait impossible parce qu'il a 4 tentacules et... Voilà. Mais puis, il perd ses raquettes, comme il a ses boîtes à côté, à chaque fois, voilà. Voilà. Et même, et
même si on cherche à chaque fois, au fond, de toute façon, il y en a toujours au moins une dans une de ses pas. Donc forcément, si tu fais un match avec lui... Non! J'ai tellement vite battre mon corps qu'en fait je fais même pas attention au sport et je fais même pas attention aux dalles. Voilà. Vous savez que quand dans les 40 premières dalles, t'as pas besoin de faire attention aux dalles. T'as pas besoin de faire attention aux dalles. Et juste au score parce que tu sais qu'à chaque fois là, t'as juste à renvoyer la balle de l'autre côté. Parce que le truc c'est que je suis déjà à 20. C'est tellement simple d'arriver à 20. De vidéo, mais bon, là c'est vraiment là c'est une... Surtout que c'est tellement rageant quoi quand t'arrives genre si t'es dans le défi du méga boost là comme ça et que t'arrives à un point de battre ton corps. C'est vraiment dégoûté quoi. C'est comme si tu faisais le défi du groupe céramique. Genre t'arrives à 99 et sur la dernière dalle tu te trompes quoi. Ça aurait été tellement rageant quoi pour les mecs qui jouent au jeu. Je sais que je peux faire plus que 251. C'est juste qu'en fait, j'ai trop l'impression, en fait, surtout quand je bats mon record. Surtout parce que j'ai tellement envie de battre mon record qu'en fait, j'ai tellement de pression. Et du coup, à chaque fois, du coup, ça me déconcentre un peu. Et du coup, ça fait que j'arrive pas à le battre. Je vais être le record, tout simplement. Thank you.
on va arrêter. Au moins j'ai réussi à vous montrer mon record. Voilà. Même si je sais que je peux faire mieux. Bon bah au moins dans cette vidéo on aura réussi à faire un nouveau record et on aura réussi le défi en titane. Même si je vais essayer de refaire le défi panique. Voilà, juste pour vous montrer. Non, pas super panique, juste panique normale. Alors c'est plus facile déjà parce qu'on a que 10 et il n'y a que 2 ballons à protéger. Voilà, ça c'est parfait. Ah, un crocodile, un claps, je crois qu'il s'appelle. Ok. Voilà. Un claps, je crois que c'est ça. Oui, c'est réussi, c'est réussi, oui! Boum! Voilà, non, des claps. Voilà. Clap traps, voilà. Super panique et hyper panique et aussi boulimie et on aura tout terminé et bien sûr il y aura aussi le défi spécial du ballon en danger. Donc je vais tenter un truc. Là, vous voyez là bien sûr là le J. Place, mais ça divise par un ballon de vie.
après non. D'abord ils vont regonfler des ballons après en fait. Ah oui, il faut me rebouffer au bout d'un moment. Ah la poêle. Donc comme il soit lent, il aura le ballon aura le temps de rebouffer. Ok, donc moi j'ai besoin de rien faire. Il faut que deux ne passent à pied dans le ballon. Là, là il vise un de mes ballons. Voilà. Voilà, Luigi est terminé forcément. C'est gagné! Ce que j'aime bien faire aussi dans les jeux spéciaux, c'est... Donc, par exemple, je vais essayer de battre mes records pour essayer. En fait, c'était quand je faisais ça, c'était pour essayer de m'entraîner à en 3 minutes à avoir 10 000 pièces, même si là, du coup, c'est un peu plus facile puisque il ne bouge pas. Donc voilà, ça va être plus facile. Et puis, ça aurait pu être meilleur si j'aurais été premier des débuts. Donc, je vais voir. Voilà. Donc là, c'est le moment de tout déchirer. Ils arriveront à trouver des pièces puisque forcément il y a des pièces quand même qui vont leur tomber dessus. Donc 342, 210, 80, 160. Et puis c'est aussi pour m'entraîner aussi pour le défi. C'est aussi pour m'entraîner aussi pour le défi des pièces à esquiver les boules de feu. Voilà. Pour essayer de battre mes records. Malgré tout, c'est 1053 et malgré tout, j'ai que 1820 pièces. Malgré tout. Que vous mettez pause, vous entendez la musique de passe de base. Oui. Quand attends, je finis un truc et j'arrive. C'est moins tard que la dernière fois, mais parce que je prends ma douche avant de manger. Voilà. Mmh.
Donc là, je suis concentré. Hein. Mario finit premier avec 10 190 pièces. Luigi deuxième avec 4 110 pièces. Et quand même, il a réussi. Il a réussi l'objectif du jackpot. Hein. Daisy finit troisième avec un total de 3 170 pièces en plus. Et Peach quatrième avec un total de 3 240 pièces. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne fin de vacances parce que dans 3 jours, les enfants reprennent l'école. Enfin, pour ceux qui reprennent l'école, je vous souhaite bonne chance et bonne fin de vacances. Et donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser des commentaires et comme je vous ai dit, en début de vidéo, si vous avez des défis à me proposer sur Marvel Power Tennis, par exemple, essaye d'atteindre les 400 échanges avec Mega Bloops dans le défi du Mega Bloops. Par exemple, vous pouvez me donner ça, j'essaierai de le faire. Ou alors, essaye de récolter 16 000 pièces dans le défi des pièces. Voilà. Donc, si vous avez ça. Si vous avez des trucs comme ça à me dire, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Là. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à laisser des commentaires. Et si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer aussi la cloche pour recevoir des notifications pour savoir quand est-ce que je publierai des vidéos. Ciao !